pardonnez-moi, Inquisiteur. Pour des raisons qui vous paraîtront évidentes, je remplace Joséphine. Chevalier Templier Sanson, général de Corypheus, traître à l'ordre. Le sang sur ses mains pourrait remplir des océans. Sa tête est trop précieuse pour qu'on la tranche. Kirkwall, Orlaïs, beaucoup souhaitent qu'il souffre. Je ne vous cache pas que j'en fais partie. La hache du bourreau ne suffirait pas? Ça donne une idée du nombre de mauvaises actions. Le lyrium rouge vous privera de votre vengeance. Vous en connaissez les effets. Corypheus n'a fait que retarder ma corruption. Êtes-vous toujours loyal envers ce chien? Il a empoisonné l'ordre. Il l'a exploité pour assassiner des milliers de victimes. Les Templiers se sont toujours fait exploiter. Combien comme moi sont restés accroupir après que la chanterie leur a consumé l'esprit? Au diable, ces conneries. Je l'ai suivi pour que les Templiers meurent au moins en pleine gloire. Même mensonge que la chanterie. La seule différence, c'est que notre prophète n'est pas aussi charmant. Vous les avez menés à leur mort, mais vous avez bien fait votre travail, c'est ça votre plaidoirie? Ce n'est pas une plaidoirie. J'ai eu un geste de miséricorde pour des Templiers déjà condamnés. Vous avez toujours été faible, et vos décisions le prouvent. Ces Templiers auraient tous souffert une longue agonie. Puis on les aurait forcés à tuer et à mourir. Je leur ai donné de l'espoir. Tout comme la chanterie. Tout comme vous. Mais moi, je suis un faible. Et vous, un sauveur. Faites ce que vous voulez. Je n'ai plus rien à dire. Nous aurions besoin d'alliés supplémentaires dans les marches libres. C'est là que nous vous enverrons. Sanson, vous êtes un traître et un assassin. Les dirigeants de Kirkwall décideront de votre sort. C'est vous qui voyez, Inquisiteur. Comme toujours. Je le sens. Oui. Je le sens, moi aussi. Vous en êtes sûr? Il n'y a pas l'ombre d'une ruine dans le coin. Je suis certain qu'il est ici. Cherchez bien. Le voilà. C'est tout ce qui reste de l'hôtel. Vous qui voyagez loin, appelez-moi et je viendrai, sans peur, sans pitié. Criez au chaos sous la lune blanche. Laissez brûler le feu de la vengeance, la cause est dévoilée. Une ancienne invocation, parfaitement traduite. C'est étrange, il n'y avait pas ce genre d'hôtel au temple de Mithal. Le temple était un lieu dédié à la justice, mais ici, c'est différent. C'est là qu'elle s'est fait appeler par les elfes, et qu'ils lui ont parlé. Puis un jour, elle a disparu. Il n'y avait plus personne à qui s'adresser. Est-ce que vous devez faire ça seule ? N'allez pas trop loin. J'aurai peut-être besoin de votre aide si j'ai des ennuis. Vous allez vous livrer à cette mystérieuse invocation tout seul, Inquisiteur? Quelle audace! Vous ne pouviez pas rester à l'écart, je vois. J'ai envie de savoir quel genre de créature va répondre à votre appel. C'est normal d'être curieux. Les voix parlent de Mithal. Et qu'est-ce que Mithal, à part quelque chose qui est mort depuis des millénaires? Elles disent que vous pouvez rester. Comme elles sont accueillantes. Vous savez qui je suis. La dernière personne qui a bu à la source des lamentations. Viens à moi, Mithal. Quoi que tu sois, quoi qu'il reste de toi, j'invoque ton nom et ton pouvoir. Mère.
mère. Ça alors, pour une surprise. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était un piège! Ah, soyez un brave garçon, retenez-la. Que faites-vous? Que faites-vous? J'en sais rien. Mais si, vous le savez. Vous avez bu à la source, n'est-ce pas? Mais Mittal, c'est toi? Libérez-moi immédiatement de cette emprise que vous exercez sur moi. Ça ne dépend que de ma chère fille. Je ne comprends pas. Comment peux-tu être Mittal? Il fut un temps où je n'étais qu'une femme seule dans les ténèbres, qui réclamait la justice. Et puis elle est venue vers moi, ce petit brin d'être ancien, et m'a accordé tout ce que je voulais, et même plus encore. Depuis, je porte Mittal à travers les âges, à la recherche de la justice qui lui a été refusée. Ça aurait pu être un démon qui vous a menti. Que vous disent les voix? Elles confirment que vous dites la vérité. Mais qu'était Mittal au juste? Une simple légende que l'on a prise pour une déesse? Ou plus que ça? La vérité n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. Un véritable messager. Vos paroles s'élèvent dans les cieux, annonçant une nouvelle ère. Quant à moi, j'ai porté bien des noms, mais vous pouvez m'appeler Flemeth. Vous êtes Mittal et la mère de Morrigan. Ainsi qu'une sorcière qui prolonge sa vie artificielle en s'emparant du corps de ses filles. Tu crois vraiment ce que tu dis, n'est-ce pas? J'ai trouvé ton grimoire et je ne suis pas idiote, sorcière. Ah, si seulement. Ma fille s'est enfuie il y a longtemps. Je l'ai laissée tranquille. Jusqu'à maintenant. Pourquoi ne pas avoir révélé que Mittal était en vous? Et à qui aurais-je dû m'adresser? Aux elfes, à tout le monde. Je connaissais le cœur des hommes avant que Mittal ne vienne à moi. C'est pour cela qu'elle m'a choisi. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Et je ne suis qu'une ombre qui s'attarde au soleil. Pourquoi Mittal est venu vers vous? Pour régler ses comptes et faire trembler les cieux. Et tu obéis à ses moindres caprices? Sais-tu au moins ce qu'elle est réellement? Tu cherches à préserver les anciens pouvoirs. Mais dans quel but? C'est parce que je te l'ai appris, ma fille. Parce qu'il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû arriver. Elle a été trahie, comme moi, comme le monde entier. Mittal a lutté de toutes ses forces pour traverser les âges et arriver jusqu'à moi. Et je veillerai à ce qu'elle soit vengée. Hélas, tant qu'il y aura de la musique, nous dansons. Quelle est la suite du programme? Les voix n'ont pas menti, Inquisiteur. Je peux vous aider. Le gardien de l'hôtel va venir. Maîtrisez le dragon et il sera votre allié contre Corypheus. Échouez et vous mourrez. Attends! Je voulais voir qui avait bu à la source des lamentations. J'ai attendu très, très longtemps. Maintenant que je sais, il peut partir. Et nous deux? On ne peut pas accueillir une âme contre son gré, Morrigan. Tu n'as jamais rien à craindre de moi. À la réflexion, Inquisiteur, je suis contente que ce soit vous qui ayez bu à la source. J'espère que le jeu en vaudra la chandelle. Vous ne devriez pas tarder à le savoir.
Il va revenir ? Il reviendra quand je l'invoquerai, une seule fois. Mais ça suffira pour combattre Corypheus, chez mon dragon. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver Corypheus. Vous êtes prêt ? Bien sûr. J'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, Inquisiteur. Cette bataille entrera dans l'histoire, et c'est un honneur pour moi de combattre à vos côtés. Corypheus n'a aucune chance contre nous. Pourvu que vous ayez raison. On discutera plus tard. Il faut s'occuper des préparatifs. Un jour, un ami m'a parlé de l'inébranlable. Il m'a dit, l'inébranlable est l'ordre et le restera toujours. Un gardien au bord de l'abîme. Une âme solitaire qui scrute les ténèbres sans vaciller. Le commandeur garde Clarel a essayé. Ils ont tous essayé d'être à la hauteur. On n'a jamais vu un seul garde vaciller. Ils ont donné leur vie, de leur plein gré. Ils sont morts pour nous. Et Corypheus a perverti leur sacrifice pour se l'approprier. Et c'est pour ça qu'il doit mourir. Là-dessus, je ne peux pas vous contredire. C'est Corypheus le responsable et personne d'autre. Les intentions de Clarel étaient nobles. Elle était si obnubilée par la protection qu'elle a fait fausse route. C'est injuste. Vouloir faire le bien, être quelqu'un de bien, et qu'on se serve de ça pour vous nuire. En fin de compte, nous avons fait de notre mieux, en espérant que ça marche. C'est vrai. L'essentiel, c'est qu'on ne baisse jamais les bras. Clarel a fait des erreurs, mais c'était une femme admirable. Et elle est morte en femme admirable. L'ordre, ce n'est pas une histoire d'armure ou d'ornement. Ça n'a rien à voir avec l'union. Le cœur de tout ça, c'est que chaque garde est une promesse. Celle de protéger son prochain, au prix de sa vie s'il le faut. Vous voulez un verre ? Je ne dirai pas non à un peu de compagnie. Quand j'étais petit, il y avait des petits morveux qui traînaient près de chez mon père. Un jour, ils ont trouvé un chien. Une pauvre bête qui voulait juste manger. Ils l'ont attrapé, lui ont mis une corde au cou, et l'ont pendu. Vous savez ce que j'ai fait ? Je n'étais pas là, comment je saurais ? Je n'ai rien fait. Rien du tout. Je pleurais. Je le voyais se débattre. Se tordre dans tous les sens. Et je me suis retourné. Je suis rentré. Et j'ai fermé la porte. J'aurais pu le dire à mon père ou prévenir quelqu'un. Mais non, j'ai fait comme si de rien n'était. Vous n'étiez qu'un enfant, après tout. J'étais assez vieux pour savoir que le chien souffrait, et que c'était mal. Je suis presque aussi responsable que ces morveux. On peut tous agir pour rendre le monde meilleur. C'est juste plus facile de fermer les yeux. Toute noble cause mérite son lot d'efforts. Regardez-vous. Vous auriez fait ce qu'il fallait. Le monde a de la chance d'avoir des gens comme vous. Il y a toujours un chien quelque part. Un pauvre bâtard qui traîne là où il ne faut pas. Je devrais examiner les lieux. La maître espionne l'a confirmé. Blackwall a disparu. Retrouvez-le. Nous avons besoin de lui. Sœur Leliana nous a fait fouiller les quartiers du garde. Rien à signaler. À part ça.
Ça aurait dû être dans les rapports de la semaine dernière. Je ne sais pas ce que Blackwall vient faire dans cette affaire. Mais c'est une piste à suivre. Cyril Mornay, pour vos crimes contre l'Empire d'Orlaïs, pour les meurtres du général Vincent Callier, de Dame Laurette Callier, de leurs 4 enfants et de leurs domestiques, vous avez été condamné à mort par pendaison. Quelque chose à dire pour votre défense ? Très bien. Blackwall veut recruter cet homme ? Regardez tous ces gens. Je ne croyais plus civilisé que ça. Il s'apprête à le tuer. Procédez. Non ! Un garde des ombres. Cet homme est innocent des crimes dont il est accusé. Il a reçu des ordres et il les a suivis en bon soldat. Il ne devrait pas mourir pour ça. Alors trouvez l'homme qui a donné cet ordre. Blackwall ! Non, je ne suis pas Blackwall. Je ne l'ai jamais été. Le garde Blackwall est mort. Depuis des années. J'ai pris son identité lâchement pour dissimuler qui je suis vraiment. Vous. Après tout ce temps. Ça suffit. Je ne me cache plus. C'est moi qui ai donné cet ordre. C'est mon crime. Je m'appelle Tom Régnier. Je rêve. Tom Régnier en personne. Vous savez quelque chose sur Régnier ? Je sais ce que tout le monde sait. Il va être pendu pour le massacre d'un noble et de sa famille. Où ont-ils emmené le prisonnier ? Dans la prison, près du marché. Si vous voulez lui faire vos adieux, c'est maintenant ou jamais. C'est un joyeux foutoir, cette histoire. Mais croyez-moi, ça va être réglé vite fait, bien fait. Trop de gens veulent le voir à la corde au cou. Non ? Bon. Je n'ai pas pris la vie de Blackwall. J'ai échangé sa mort. Il voulait que je rejoigne la garde. Mais il y a eu une embuscade. Des engeances. Il est mort. J'ai pris son nom pour empêcher le monde de perdre un grand homme. Mais un grand homme, un homme comme lui, n'aurait pas laissé quelqu'un d'autre mourir à sa place. Vous étiez mon ami. Je vous faisais confiance. Et vous m'avez menti. Vous avez cru que j'étais Blackwall. Je n'ai pas voulu vous contredire. Dans la peau de Blackwall, j'étais quelqu'un. J'avais un but. Une chance de me racheter. Qu'est-ce que vous faites là ? J'attends que vous vous expliquiez. Vous ne comprenez pas. J'ai donné l'ordre au seigneur Callier et les siens. Et j'ai menti à mes ordres sur leur mission. Et quand ils l'ont appris... J'ai fui. Ces hommes, mes hommes, ont payé le prix de ma trahison, alors que je prétendais être un homme meilleur. Voilà ce que je suis. Un meurtrier, un traître.
Un monstre. Un monstre ne se serait pas dénoncé. Au fil du temps, vous avez arrêté de faire semblant. J'ai besoin des détails de ce que vous avez fait, qui vous avez tué et pourquoi. J'ai trahi l'Empire et assassiné un général, pour de l'or. Le général Vincent Callier, sur commande d'un berruyer, Robert Chapuis. Sir Robert pensait que le grand-duc Gaspard était le dirigeant légitime d'Orlaïs et finirait par conquérir le trône. Il croyait qu'en éliminant l'un des fidèles partisans de Sélène, il pourrait s'attirer les faveurs de l'Empereur en puissance. Je ne savais pas si les plans de Robert pourraient voir le jour. Et je m'en fichais. On me proposait une jolie somme. J'ai accepté. Quand les agissements de Sir Robert ont été découverts, j'étais déjà loin. Bien sûr, le grand-duc nia avoir jamais eu connaissance de l'affaire, et la condamna publiquement. Robert se suicida. Du poison dans son vin. Encore une victime de ce noble jeu. Mes rapports disent que Callier était avec sa famille. Vous les avez tous massacrés? Je ne savais pas que Callier voyagerait avec sa famille. Je m'attendais à des soldats, des hommes armés. Mes hommes avaient reçu l'ordre d'éliminer tout le monde. Ils avaient vu la guerre. Ils pensaient défendre leur pays. Personne ne regarde ça en face. Mais ce sont les noms qui détiennent le pouvoir dans ce monde. Les lignées. Les héritiers. Sélène et Gaspard vous font croire ce qu'ils veulent. Mais c'est comme ça que les vraies guerres sont menées. Mais vous n'étiez pas en guerre. Pas vraiment. J'ai assez d'expérience pour savoir que ce même crime, à un autre moment, m'aurait valu une médaille. Mais j'ai conscience de ce que j'ai fait. Et je mérite d'être ici. Vos hommes vous ont aidé. Que leur avez-vous dit? Ils ne savaient pas à qui ils s'attaquaient. Je leur ai dit que c'était une mission importante. Ils me faisaient confiance. Comme les vôtres vous font confiance. Nos hommes me suivent parce qu'ils croient en notre cause. Ils y croient parce que vous leur dites d'y croire. Il y a une autre question que je me pose. Oui. L'homme sur la potence, Mornay, qui est-il? Mon commandant en second. Un brave homme. Quand j'ai su qu'il avait été capturé, j'étais déterminé à empêcher son exécution. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre mourir à cause de mon erreur. Qui étiez-vous avant tout ça? J'étais capitaine dans l'armée orlésienne. Estimé. Respecté. Mais ça ne suffisait pas. Une erreur. Une seule erreur. Et tout ce que j'avais construit s'est effondré. Je veux en savoir plus sur Blackwall, le vrai Blackwall. On s'est rencontrés dans une taverne quand j'étais en cavale. Je n'étais rien. Un déchet. Mais il voulait me recruter. On est parti à Valchemin pour l'Union. Mais Blackwall a insisté pour faire une escale en chemin. Une vieille ruine datant des premiers enclins. D'après lui, elle menait au tréfonds. Je devais m'y aventurer seul. Trouver une engeance et remplir une fiole de son sang. À mon retour, j'ai trouvé le garde pris au piège, attaqué par plusieurs de ses créatures. Il a voulu me protéger. Il est tombé. Il n'aurait pas dû mourir. Ça aurait dû être moi. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, mais Blackwall vous en croyez manifestement digne. Personne n'aurait dû mourir pour moi. Il aurait voulu que je continue jusqu'à Valchemin, j'en suis sûr. Mais sans Blackwall, rien ne prouvait qu'il m'avait recruté. Que je ne l'avais pas tué. Je ne pouvais pas aller voir les gardes. Et je ne pouvais pas non plus m'enfuir. Alors, Rainier est mort. Et Blackwall a survécu. Ça ira pour le moment. J'ai les rapports de Leliana sur Tom Rainier. Donnez-moi les grandes lignes. Notre ami aurait été jadis un capitaine respecté de l'armée impériale orlésienne. Juste avant la guerre civile, il aurait été manipulé. On l'a persuadé d'assassiner l'un des plus fidèles partisans de Sélène. Il a mené un groupe d'hommes des plus loyaux dans une mission sans leur donner le moindre détail. Ces hommes y sont restés. Seuls quelques chanceux, comme Mornay, ont réussi à s'échapper. Laissez-moi deviner, notre maître espionne avait ce rapport depuis le début, n'est-ce pas? N'importe qui aurait eu du mal à faire le lien entre Blackwall et Rainier. Même Leliana n'a pas toujours les yeux bien ouverts quand il s'agit des gardes. Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rainier a accepté son destin, mais rien ne vous y oblige, vous. Nous avons des ressources. Si nous le faisons venir, vous pourrez le juger vous-même. Si ça dépendait de vous, que décideriez-vous? Ce qu'il a fait à ces hommes est inacceptable.
Il a trahi leur confiance et la nôtre. Pour ça, il ne mérite que mon mépris. D'un autre côté, il a défendu les couleurs de la garde, il a rejoint l'Inquisition. Il a versé son sang pour notre cause. Et à peine s'est-il défait de son passé sulfureux, qu'il décide de revenir l'assumer. Pourquoi ? Il voulait changer. Prouver qu'il avait vraiment fait table rase du passé. Et pour ça, il devait l'affronter. Sauver Mornay comme il l'a fait, ça demandait du courage, certes. Mais je ne peux pas vous dire quoi faire. Très bien. Amenez-nous régner. Nous devons faire vite. Nous creuserons la question à Fort Céleste. Inquisiteur, je vous présente pour jugement le capitaine Tom Régnier, autrefois connu sous le nom de garde Blackwall. Ces crimes... Enfin, vous connaissez ces crimes. Ça n'a pas été une mince affaire de l'amener ici. Son sort est maintenant entre vos mains. N'allez pas croire que je vous ai sauvé. Votre vie m'appartient. Quel que soit le prix que vous ayez payé, c'était trop cher. Qu'est-ce que vous avez fait pour me faire libérer ? Joséphine a fait jouer ses relations. Il y a pas mal de gens redevables à l'Inquisition. Et qu'en est-il de la réputation que l'ambassadrice cultive avec tant de soin ? Le monde saura que vous avez joué de votre influence, et pensera que l'Inquisition est corrompue. Votre avis ne sera plus pris en compte. Vous avez perdu ce droit. Je vais décider de votre sort maintenant. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Blackwall voulait que vous intégriez les gardes des ombres, qu'ils décident de votre sort. Mais seulement quand Corypheus aura été vaincu. D'ici là, Tom Régnier, l'Inquisition a besoin de vous. À vos ordres. Il paraît que tous ne résistent pas à l'Union, et que la vie d'un garde des ombres est difficile. Si je meurs, je l'aurai mérité. Et si je vis, je mettrai cette chance à profit. Je suis reconnaissant, Inquisiteur. Et je servirai aussi longtemps que possible. Il paraît que vous avez fait une découverte à propos des gardes. J'aurais bien voulu être là. Comment dois-je vous appeler ? Régnier ou Blackwall ? Je me suis fait à Blackwall. On pourrait peut-être le considérer plus comme un titre que comme un nom. Un peu comme Inquisiteur. Ça me rappelle à mes devoirs. Inquisiteur, ça a un sens. Pas Blackwall. Pour moi, ça en a un. Rien pour l'instant. Plus tard, peut-être. Samson a tout pris aux Templiers. Il a corrompu leurs âmes, tordu ces pauvres bougres jusqu'à ce qu'ils incarnent tout ce qu'ils combattaient, tout ce qu'ils détestaient. Cette histoire de Samson, ça vous travaille ? Ça se peut. Et alors ? Malgré le lyrium rouge, Samson avait encore toute sa tête. Il était conscient de ses actes. Et il ose affirmer qu'il a fait preuve de miséricorde. Cet homme est un monstre. J'ai averti Kirkwall. Ils feront payer Samson pour ses crimes. C'est une certitude. Samson a eu ce qu'il méritait. Les hommes et les femmes qu'il a trahis, eux, ils méritaient mieux que ça. Samson ne mérite rien de plus. Il fallait éradiquer les Templiers Rouges. Nous avons anéanti l'armée de Corypheus. J'aurais pu en connaître certains. Si j'avais vécu différemment, j'aurais même pu être l'un des leurs. Vous vous êtes déjà demandé ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas été au conclave ? Si vous n'étiez pas devenu inquisiteur ? Je serais là quand même. Enfin, peut-être pas exactement là. Mais je serai dans les baraquements, avec les autres volontaires. Je ne pourrai pas rester les bras croisés. Ah non, ça ne vous ressemblerait pas. La présence de ce miroir à Fort Céleste, l'Éluviane, ça me préoccupe. Corypheus ne peut peut-être pas le traverser. Mais imaginez que quelque chose d'autre y parvienne. Morrigan est notre experte en Éluviane. Si cela vous fait peur, vous devriez lui en toucher un mot. C'est ce que j'ai fait. Et ? Elle m'a dit de cesser mes enfantillages, puis elle m'a proposé de m'expliquer le processus de l'Éluviane avec des mots de moins de 4 syllabes. Ah. Il y avait une bibliothèque dans notre cercle. Je suis quelqu'un de cultivé. Je vois.
moi faire des enfantillages. C'est tout pour le moment. À bientôt, alors. Hey, vous voyez l'elfe rousse qui fait des petits pains dans la cuisine? Elle est libre? Parce que j'ai l'impression que j'ai une touche. À plus tard, Bull. C'était sympa de vous parler, chef. J'apprécie particulièrement le trône que vous avez installé dans le grand hall. Et le symbolisme de la chanterie est parfaitement adapté. J'ai tenté d'égaler votre sens du style. Lorsque nous aurons réglé cette histoire avec Corypheus, je vous emmènerai à Val-Royau. Il faut absolument que vous rencontriez ma couturière. Les apparences sont importantes. On ne doit pas vous prendre pour un roturier. Je ne peux pas les laisser penser que le messager d'Andraste se préoccupe de considérations matérielles. Bien entendu, trésor. Mais vous ne pouvez pas laisser croire au pouvoir terrestre que vous dirigez cette organisation uniquement par la prière. Vous commandez à une armée de fidèles équipés grâce à l'or de l'aristocratie. Vous devez être un exemple à suivre pour les gens du peuple et devant qui les nobles s'inclinent. Ce sont mes actions qui leur donneront l'inspiration. Les apparences importent peu. Si nous n'étions jugés que sur nos actes, le monde serait merveilleux, trésor. Hélas, ce n'est pas le cas. Les histoires sur l'Inquisition se répandront, et de plus en plus de gens se demanderont si vous êtes bien l'homme que l'on prétend. Ils douteront des rumeurs, mais croiront ce qu'ils verront. Et ce qu'ils doivent voir, c'est quelqu'un qui surpasse sa légende. Si c'est ce que vous attendez de moi, à quelle hauteur avez-vous placé la barre pour la divine? Andraste, le créateur, projette des ombres plutôt grandes. La divine doit montrer l'exemple à tout Edas. Pour les fidèles, elle doit être l'incarnation du créateur. Elle doit posséder l'autorité du créateur et le charisme d'Andraste. Combler le vide sur le trône ne sera pas aisé. Mère doit être ravie. Le messager d'Andraste, chef de l'Inquisition, prêt à lui obéir au doigt et à l'œil. Je suis certaine qu'elle a joué un rôle dans ce qui s'est passé au temple de Mithal. Son rôle ne s'arrête peut-être pas à ce qui s'est passé au temple. Vous pensez à Corypheus? Il possède cet orbe elfique. Qu'il a bien dû trouver quelque part. Je vois. C'est difficile de comprendre quelles étaient ses motivations pour agir ainsi. Cela étant, tout ce qui la concerne est incompréhensible. Je suppose que nous n'avons pas d'autre choix que de continuer et de la remercier de nous avoir aidés. Vous croyez ce que Flemeth nous a dit? À propos de ce qu'elle est, ça me laisse perplexe. Je savais qu'elle nous cachait quelque chose, qu'elle n'était pas vraiment humaine. Mais ça, j'ai mis la main sur ses grimoires, et c'est ce jour-là que j'ai appris qu'elle était devenue immortelle en volant le corps de ses filles. Flemeth persiste à dire que j'ai mal compris. On ne force pas les réticents. Mais de là à cautionner ce genre de pratique... Impossible. Pourtant, il y avait une indéniable part de vérité dans ce qu'elle nous a raconté. Toutes ces années passées à chasser les secrets mystiques... Et j'avais négligé le plus grand d'entre eux. Alors, vous comptez faire quoi, à présent? Maintenant, je vais reprendre la route. Vous avez ce dont vous avez besoin pour affronter Corypheus. Je ne sais pas encore où j'irai. Je dois prendre en compte le fait que Flemeth n'en restera pas là avec moi. Vous êtes son serviteur, mais je suis sa fille. Je doute qu'elle me laisse s'échapper de son emprise. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite bonne chance pour la bataille qui s'annonce, Inquisiteur. Je vous laisse au jardin. À votre guise. Contente de vous revoir, Inquisiteur. J'espère que vous avez des bottes confortables. Les éclaireurs ont repéré plusieurs failles de l'immatériel partout dans la forêt. On a localisé ce mystérieux Fairbanks. Il refuse de donner ses informations à qui que ce soit d'autre que vous. Il a établi un campement avec ses hommes au gouffre du Guetteur, un peu plus loin. D'après ce qu'on a pu voir, ce sont des réfugiés de guerre, des paysans, principalement. Dites-moi tout ce que vous savez sur Fairbanks. On ne sait pas grand-chose sur lui. Il s'est fait remarquer quand la guerre civile a éclaté en aidant le peuple à fuir le carnage. Fairbanks n'est sûrement pas son vrai nom. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur la région?
On appelle cet endroit les Tombes Émeraudes. La légende raconte que chaque arbre qui pousse ici représente un chevalier elfe d'Alamshiral qui a péri en essayant de défendre la région. Plutôt triste, vous ne trouvez pas ? C'est du passé tout ça. L'avenir m'intéresse davantage. Alors prions pour qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais. Merci pour ces informations. Je dois y aller. Oh, une dernière chose. Vous avez déjà dû vous frotter aux hommes libres de Dalassie. Ils résident dans les environs. Surtout, restez sur vos gardes. Va falloir faire quelque chose. Pas de gestes brusques. On vous a à l'œil. C'est un honneur de rencontrer le messager d'Andraste. C'est très gentil. J'ai beau vous admirer sincèrement, ce n'est pas uniquement pour ça que j'ai fait appel à l'Inquisition aujourd'hui. Comme je l'évoquais dans mon message, on pourrait se rendre service mutuellement. Vous avez fait la rencontre des hommes libres, des saletés de chiens enragés. Ils ont tué une dizaine de mes camarades. On a essayé de riposter, mais ils sont trop forts pour nous. Pas pour vous, par contre. Je vous entends d'ici. En quoi ça vous concerne ? Eh bien, sachez que les hommes libres collaborent avec l'ennemi.
De quel ennemi parlez-vous? Les Templiers renégats. Je les ai vus traverser les bois en direction des camps des hommes libres et repartir avec des provisions. Anéantissez les hommes libres et ils vous mèneront directement aux Templiers rouges. Vous pouvez me croire sur parole. Je ferai mon possible, Fairbanks. Toutes les informations que je détiens sur les hommes libres sont ici, dans notre campement. Si vous nous aidez, je partagerai avec l'Inquisition tout ce que je sais sur les Dalassiens et sur ces bois. Qui sont les hommes libres de Dalassie? En majorité des déserteurs qui ont fui la guerre, lassés de combattre et de mourir pour une cause qui ne les concerne pas. Mais ces derniers temps, les hommes libres se sont organisés, et ils se sont mis à attaquer tout le monde, sans distinction. Leurs nouveaux dirigeants ont l'intention de conquérir la Dalassie. Que pensez-vous de la guerre civile? Quand je me dispute avec mon cousin, on se lance un verre au visage, au pire, il y a une dent ou deux de cassée. Quand Selene se fâche avec sa famille, le pays entier est à feu et à sang. C'est fini à présent. Mais il va falloir des années pour tout reconstruire. Parlez-moi de vos camarades. Ce sont des gens simples. La plupart ont perdu leur famille. Tous ont perdu leur maison. J'en ai retrouvé quelques-uns, je les ai aidés. On s'est abrités dans cette caverne. La nouvelle s'est répandue et d'autres nous ont rejoints. Bien que la guerre soit finie, certains ont peur de partir. Où est-ce qu'ils pourraient aller? Je dois partir. Soyez prudents. Je n'ai pas envie de discuter pour l'instant. Plus tard, peut-être. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Juste comme ça. J'arrive pas à croire qu'il nous force à nous terrer ici comme des rats. Ce foutu Fairbanks, qu'il arrête un peu de s'inquiéter pour tout le monde.
Vous savez, Varric, je suis déjà allé à Kirkwall. Ah ouais? C'est un peu... un trou à rats. Ah ouais.
profiter du chaos de la guerre. Vous l'avez ? Ouvrez la porte, je vous en supplie ! Je ne pourrai pas tenir une seconde de plus ! Le jugement que vous avez porté sur les chercheurs était injuste, Dorian. Ah bon ? Ce ne sont pas eux qui étaient responsables de maintenir la paix avec les mages ? Et qu'est-ce que vous diriez si on jugeait Tevinter uniquement sur les actes de certains de ses magistères et de ses esclavagistes ? Et si on en déduisait aussitôt que votre patrie était dénuée de toute qualité ? Les chercheurs ont échoué, certes, mais la situation était complexe et vous le savez très bien. Huh?
qui n'embêtera plus Fairbanks. Le chef des hommes libres devrait se cacher ici. Cet endroit a connu de meilleurs jours. Ce sont des voyous. Vous vous attendiez à quoi ? Ils sont arrivés quand ? Il y a quelques heures. Ils parlent avec eux en ce moment même. Pas eu de nouvelles de la plaine. Et vous ? Non plus. Pas récemment, en tout cas. On jette un coup d'œil. Un morceau de clé. Il y a une rune inscrite dessus. Ou un morceau de rune.
J'ai l'impression que c'était le chef. On a porté un grand coup aux hommes libres. Après ce qu'on a entendu sur lui, je suis content de lui dire au revoir. Des Templiers rouges ? Ben voyons. On dirait qu'on a interrompu leur réunion avec les Templiers. Ils ne nous attendaient pas. Ce qu'ils sont venus chercher est peut-être encore là. Il devait le vendre aux Templiers. Plus maintenant. Là qu'ils cachaient leur trésor.
On devrait explorer les lieux. Ça me rappelle les bains publics de Minrati, en plus froid. Thank you.
rumeurs se propagent. Plusieurs membres de la noblesse veulent nous féliciter. Ne baissez pas votre garde. La Dalassie est impitoyable.
Je pensais que vous étiez parti à Vice Out avec Oak, Varric. On a encore des choses à régler ici, vous ne croyez pas? Vous devriez vous réjouir. Je connais un peu Vice Out, rien de bien excitant. Une forteresse creusée à même la roche froide. Austère, où tout le monde a un balai dans le train. Ça ne vous plairait pas? Oak serait là. Et il faut dire que c'est un vrai rayon de soleil. Vous avez sauvé mes camarades. On pensait ne jamais les revoir. Peut-être que les histoires disaient vrai. Les hommes libres ont été vaincus. Ils ont fait tellement de mal à mes semblables. Cette fois, c'est terminé. Merci. Sans les hommes libres, on pourra peut-être se trouver un domicile digne de ce nom. Le foyer d'Argon a toujours été bien situé. Inquisiteur ? Je dois partir. On se revoit plus tard. Et les autres. Merci du fond du cœur. Vous allez me trouver bien audacieuse, mais si vous voulez bien m'accorder un moment... Je suis là. Qu'est-ce que vous vouliez? C'est à propos de Fairbanks. Le bruit court qu'il serait de sang noble. Quand la guerre sera terminée, la plupart d'entre nous retourneront servir nos seigneurs, travailler dans leurs champs, élever leurs marmots. La plupart des aristocrates ignorent comment vivent les petites gens. Ils n'en ont rien à faire de nous. Fairbanks, lui, est différent. C'est un grand homme. Il pourrait faire beaucoup. Si l'on avait le pouvoir, si la rumeur dit vrai, si Fairbanks est noble et qu'on en a la preuve, vous comprenez ce que ça implique? Cette rumeur sur les origines nobles de Fairbanks, qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Oh, je ne voudrais pas vous donner davantage de besogne, mais vous parcourez la Dalassie de long en large, non? Alors, peut-être que si vous tombez sur des informations utiles, j'ai écrit tout ce que je sais dans mon journal. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur Fairbanks? C'est un homme bien. Il nous a trouvés au moment où on avait le plus besoin de lui. Il nous a protégés. Il n'aime pas trop parler de sa vie, alors je sais pas grand-chose sur lui. Est-ce que Fairbanks a eu vent de cette rumeur? Oui, et ça ne lui plaît pas. Il refuse qu'on en parle. Cette tête de mule. J'aimerais que vous m'en disiez plus sur vous et sur ceux qui vivent ici. On est des gens simples, pour la plupart. Des fermiers, des pêcheurs. Jolene là-bas, elle est forgeronne. Juste des gens qui veulent échapper à la guerre. Au revoir.